Qu'est-ce qu'il Que quoi dit? que quoi? Ça saute chez toi, Kayosh. Just King Fight, je pense que les deux sont contents. Voilà, Kayosh il est venu. Il est venu, puis voilà. Il est venu, il a vu, et il a planté. A new enemy. Et je t'emmerde. Nous. Ah. Ah, voilà, merci Kayosh de la tourette. Les deux ont l'air ravis, en tout cas. Mettre un peu plus fort la musique. Mais déjà forte. Oh là, mais l'audio c'est pas mon truc hein, sur OBS, c'est compliqué. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Pingouin. Ah oui, oui, alors moi j'arrive pas. Ah, c'est bien galère. Hein. Non, toi t'y arrives bien. T'y arrives bien. Le problème c'est dès que les gens sont un peu plus faibles, je suis obligé de baisser tout le monde et de monter à fond le son du stream. Bah, en vrai, moi je t'ai mis assez fort, mais si je te mets trop fort, tu vas saturer comme hier. Ouais. Ou comme moi, avec un micro de merde. Je vais essayer. Mais va-t'en, va manger toi. Mais il est insupportable. Attends, je mets mon micro en... Attends. Ping. Oh là là, mais il est terrible. Non, j'ai enlevé les notifs, heureusement. Ah, faut commencer, hein, parce que Ben Keys, il en peut plus, là. Incroyable. J'espère que ça a été lancé, d'ailleurs. Oui, ça y est, je crois que je les vois en train de se préparer pour la race. Je dis mon streamer. Mais je pense que oui. Hein. Ça va bien se passer, Forgotten CGG, hein, rappel. Et oui. Oh, j'ai pas de délai. Ah, oh, j'en ai, moi. Beau. J'en ai. Ça a commencé de ton côté? Ça commence. Ouais, je reset. Je reset. Oh, je vais essayer de pas trop spoiler. De toute façon, au début, il cherche pas, donc y a pas grand chose. Ah, bah voilà. J'allais dire, il cherche pas pendant longtemps. Et ben, effectivement, Ben Keys a direct un starter. Poli GG. Alors, Ben qui stresse un peu, hein, visiblement. Mais he's ok, hein, ça vient se passer. On rappelle que c'est un tour à fun. Hein. Oui. Il est là pour l'argent. Ah, bah évidemment, mais comme tout le monde. Hein. D'ailleurs, il a pas pris les bombes. Alors, on peut définitivement récupérer les trucs avec ce perso. Ah, oui, avec The Soul. Et même avec l'os, on peut taper par-dessus. Tout à fait. Ah, Clicker qui n'a pas été start. Ragnos. Ragnos. Tu le tentes en mode... Oh non, contrôleur disconnected. Ah. Ah non. Alors par contre, il va falloir qu'il relance son jeu après. Hein. Sinon, c'est une galère son nom. Bonjour Molip, comment ça va? Alors là, il peut continuer au moins celle-ci, on va voir. Ouais, faudra pas oublier de lui dire hein, pour après. Sinon, ça va être la galère. Oui. Oublie non plus les vitaux, on y pense. Ah, est-ce que tu vois bien niveau son? C'est toujours la même question, hein. Cricket Penny. Non. Oui, non. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai cru, hein. Cricket Penny. Prend au cas où. Ça va tranquille. Ah, ça y est, moi. Incroyable. Sac Dag. Tarte Sac Dag avec ce perso, pourquoi pas. Oh, un objet de Guppy, tiens. C'est la chance. Attends, ce premier étage. Oui. Egoted, oh. Ah bah c'est pas trop mal hein, son début là, notre cher ami Kraknos là. Ah bah il va pouvoir rattraper assez vite hein, parce que des Devil Deal à tous les étages, oui ça se passe bien. C'est plutôt puissant. Mais Poly est assez puissant. Polyphème avec ce perso, c'est extrêmement fort. Ouais, et en plus ça joue Godroom. Ouais, ça joue Godroom. Ouais bah bon, Sacdag aussi hein, c'est puissant pour le coup, là les ah deux... Ah oui, Sacdag en l'occurrence c'est puissant tout le temps mais... Ouais. Bah surtout quand t'as ton Pola après... Je pense qu'en vrai c'est vraiment sympa quoi. Il a la boule de bandage comme ça, s'il est pas serein, il est même pas obligé de bouger. Si tu sais, tu peux faire la strat justement, devenir The Soul, puis après être transformé. C'est pas trop mal hein. Ah oui, profiter du pola. Je sais que ça c'est un truc pour lequel j'aime bien le perso. Un des rares trucs. Tu vas voir, il y en a d'autres qui vont venir. Je t'avoue qu'on est bientôt à la moitié du tournoi, j'ai toujours pas vu hein, quelqu'un adorer le perso, hein, y jouer. Hein. Voilà. Mais t'as pas joué avec, c'est pour ça. Oui. Sachant que t'as encore au moins 3 matchs. Ah, y'a Red qui a dit oh, il est rigolo. Ouais, mais Red. Qui venait de découvrir et qui a dit ah, c'est cool. Il ment beaucoup, Red. Il l'a dit lui-même. The Fallout pour. Pour peut-être. En le connaissant, c'est pas impossible en plus. MP
petit vaisselle. J'ai Shadow. J'ai Shadow qui va être pas prise. C'est qui va être prise. Ouais, il faut suicider par contre. Hein. Ouais, voilà, c'est bon. Guppy's Arbol, il y avait deux items de Guppy, malheureusement. Eh oui, pas Guppy. Bon, Julia Shadow c'est quand même surpuissant, donc là il va se mettre bien. Avec la... avec ce perso, si on connaît pas trop, qu'on l'aime pas trop. C'est pas trop plaisir. Ou les clickers strat. Hein. Ben qui a fait un des moves du tournoi pour moi. Changer son Forgotten. Ah, changer son Forgotten avec clicker, c'est goldé. Hein. Et il a perdu son os là. Il a un petit os maintenant. Ah, alors j'ai pas vu quel item il avait pris, je vais attendre le tracker. Bah, il a rien pris, je crois. Hein. Bah, oui. Mais si, mais là il a re un gros os. Bah oui. Tu veux voir mon bizarre. Os Oh, c'est de la merde. Fais l'ange. Prends le HP. Crampuche. Crampuche et Krachnos. Krachnos qui va revenir vite hein, quand même, faut qu'il se méfie Benkiz. Holy Mantle. Et je prendrai le vol en plus. Ouais, voilà, bien joué. Ah oui, alors vol avec un Forgotten comme ça. Bon. Séraphin déjà en plus. Oh, Séraphin. Oui, il y avait le halo au début. Séraphin, le meilleur perso. Le prochain perso d'Isaac. Jean-Pierre Raffarin. Hein. Jean-Pierre. Putain. Rappelez-vous. Me flotte sur. Séraphin qui faisait. Qui avait un superbe anglais. Yes. Un peu, ouais. Et il avait la positive attitude. Il avait la positive attitude, rappelle-toi. Qui nous parlait du Win the Yes Toulouse against the No. Ah, je crois que c'était Hollande, moi. Ah, c'était pas Hollande, ça. Oh non. Oh, si. Oh non, il parlait devant les jeunes de l'Europe ou je sais pas quoi. Double en dessous, hein. Au passage, quand même. Ouais, double en dessous qui, du coup, bah, s'est pris. Il a lâché, par contre, pour pouvoir les prendre. C'était un peu bizarre, genre, il était obligé. Peut-être qu'il a un souci de ouais... config avec le perso. Ouais, peut-être. Je pense qu'il va régler ça après. Hein. Après, peut-être que le contrôleur disconnected, c'est parce qu'il est passé à au clavier ou quelque chose dans le genre. Je pense pas. Krachnos qui a l'air de se faire chier. Hein. Krachnos, il a pas grand-chose. En plus, il a plus qu'un cœur, il faut qu'il fasse un peu gaffe, donc il joue safe. Judas Shadow... Ah, plus qu'il perd un étage, quand même. Ouais, le lit aussi, hein. Peut-être ouais, voilà. Qu'il perd un étage. Non. Mais non, malheureusement. Enfin, c'est pas fini, ça peut être... marché noir. Et non, c'est trois pièces. Ça, c'est les... Ça, comme on aime. Ah, c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'il voit ? Infamie, ouais. Bah, du coup, je me fais pas engueuler en disant qu'on t'entend pas, donc c'est que c'est bon. Genre, j'en suis, hein. Ah, attends, si j'ai géré. Il y a ça qui arrive et puis c'est bon. Ouais, voilà, ça va être ça. Hein. Hommage à Sac. Bon, en tout cas, Ben il est pas trop mal là. Hein. Ah, oui, non, mais un build comme ça c'est appréciable avec son. Bah, police. Il cherche quand même avant d'entrer dans chaque salle pour pouvoir gérer un peu plus à distance. Ouais, ça fait quand même bien le taf. Hein. Alors, du coup, je vais pas parler des enjeux du match. Hein. Mais bon, plus ou moins c'est un match pour deuxième place, hein, étant donné que la première place est plutôt prédestinée pour futur. Qui je crois est premier même quoi qu'il arrive, comme il a battu Ben et qu'il a battu Crack. T'en vas le second commentateur. Bon, Zazima, je ne prends pas garde de ce que tu dis. Oh là là, troll. Bonjour Zazima. Et bonjour Serge. Serge, confirmes-tu ou ne confirmes-tu pas les propos? Voilà, ah bah merci. Oh bah merci Kayosh. Voilà, donc j'estime que c'était bon. Oh, c'est terrible. Et du coup, Benkis qui a son bomb. Krachnos qui arrive tranquillement. Là, il est encore à D1. Il est quand même pas mal en retard. Hein. Je pensais qu'il reviendrait plus vite. D2, il a D2, tout va bien. Il a... Ah oui, c'est le temps que le tracker se mette à jour. C'est un peu long, ça, c'est pour ça. Matriarche. Si je pourrais mettre une seconde. Kayosh qui est en train de... Mais c'est bon, à deux on gère. Oh là là. Mais Serge, tu viens commenter quand tu veux, comme d'habitude. Après, si tu veux venir dans ce cas, n'hésite pas. Moi, je peux laisser ma place également, hein, bien sûr. Mais non. Ouais, propos, j'ai parce qu'il joue plus à la dague, du coup, là, parce qu'il est... ouais. Sent qu'il est en retard et qu'il a besoin d'aller vite. Il bourre un peu, du coup. Ouais, je pense que Krachnos... La Krachnos, ça va être galère hein, pour lui. Hein.
Après, il abandonne GG, hein, donc en soi. Ouais, là, il est loin, hein. C'est ça qui me fait peur, parce que j'ai pas peur de son skill ou qu'il puisse pas rattraper avec une sac d'ag, mais quand même, le Benkis a pris trop l'avantage, je pense. Deux pièces Guppy. Oh, attention. Guppy, ça peut faire une diff, hein. En soi. Après, il y a double mapping, hein, quand même, pour Ben. Hein. Ah bah, bonne soirée à toi, Serge. Ah oui, le double mapping, c'est vrai. Ah ouais, le double mapping. Confondu, je pensais qu'il était chez Crack, mais non. Bien chez Ben. Ouais, je pense que Benkis va prendre le point. Il a quand même succube avec 14 dégâts, donc à voir. Hey, future, thanks for the host, man. Thank you very much. Thank you. Plivet, hello. Das Lovia. Das Lovia. Bonsoir. Bien sûr. Oula, attention, oui. C'est bon, il s'est pas planté. Il y a deux objets de Guppy chez Ben. Ça promet, hein. Par contre, c'est vraiment bizarre le petit bug avec l'os là. Je sais pas pourquoi des fois il est plus petit. Ouais. Bon, il a vu que ça servait à rien de bomber en Ben. Ouais. Bah là, il a double mapping donc il se fait plaisir sur son chest et sa cathédrale. Docteur Fœtus, hein, chez Kraknos avec sa couronne ensanglantée. Ouais, je comprends qu'il le veuille pas. Pour le coup, avec une sac d'ag. Oh, Atamé. Ah, j'aurais pris Atamé. Avec le Squeezie derrière en plus pour les cœurs, j'aurais pris Atamé. Bah, clairement, mais après, je pense que le mal est fait. Hein. Alors, ça dépendra peut-être du chest de Ben, mais avec le mapping, de toute façon, il va pas farmer des ors non plus. Ouais, on va voir. Un seuil milk qui est pris par hasard. Ouais, voilà, ça va être ça, quoi. Même. Ouais, le seuil milk, ça peut le mettre dans la merde, effectivement, mais. Mais bon. Je pense qu'il le prendra pas. On en est pas là. Je pense que Ben va prendre le premier point. Kraknos qui fait bien quand même. Là, j'ai l'impression qu'il se réveille un peu, qu'il sent que. Il y a quand même un long étage de retard. Va être chaud quand même. Hein. Allez, le chest qui est. Il a beaucoup de speed, il bourre. Pas mais... très long. Ouais. Parasite, c'est craqué. Hein. Ouais, faut prendre le rib alors. Bon, bah, une parasite, c'est craqué. Déception. Allez, oh Guppy. Ouais, mais le Guppy, m'étonnerait que ça passe quand même. Hein. Ouais, en plus le boss est pas loin. Et, ou alors il faudrait vraiment qu'il ait genre un chest en trois pièces. Ouais, même. Hein. Non, c'est fait là. Ah là là. Ouais, Ben qui va prendre le premier point. Le cumul du pointy rib avec le polyphème en plus, donc. On rappelle que le rib fait les dégâts indiqués. Donc là c'est un rib à 32 de dégâts mine de rien. Ouais, je trouve que c'est un objet qui fait mal quand même, qui est assez puissant. Ouais. Ah les gifs. Ah c'est beau. Et au moins il a compris Ben, je suis content de ça. De bons gifs, au bon moment, pas trop. Pas cash down. Allez le CD. 1-0 donc en CD et là... Le CD peut-être. Ah bah Samael. Je mettrai avantage à Kraknos par contre là. Samael. En raison des persos particuliers. Hein. Samael Choco, ça ne fonctionne pas. Donc on reroll. Je confirme. Est-ce que le Choco s'enlève de la roue du coup? Est-ce que tu confirmes? Bien sûr. Est-ce que tu confirmes ou pas? Je veux. Alors attends, je vérifie le. Ah j'ai au pire. Chocolate milk, c'est 2, ça ne fonctionne pas. Donc, et ben on va refaire. Ah, Mega Blast ça fonctionne par contre. Mais je pense qu'il y en a un qui va veto. Il y en a un qui va veto, je pense. Mais t'aurais que ça reste. Hein. Alors, Samael. Sidid. Mega Blast. Veto. At Ben. At Crack. Du coup, Ben qui prend un petit avantage pour passer au deuxième tour. Ah, veto de Kraknos. Et bah, ouais. On recommence. Ça se comprend, hein. C'est un build qui est pas. Enfin, qui est Mega Blast, on adore, mais. C'est pas évident. Ça là aussi, ça peut faire peur. Pas évident à gérer. Incubus. Bah, Incubus, ça fonctionne. Si j'ai bien compris, il t'enlève. Si tu utilises le Blood Rite, il faut avoir 0 de charge. Exactement. Et ensuite, ça enlève 2 cœurs, je crois. Alors, anti-synergize. So it's automatic. Roll. Incubus at
bête. Alors pareil hein, Incubus, c'est pas folichon hein. Ouais mais Incubus c'est pas dans la liste je crois hein. Ah bah non ça fonctionne hein. C'est bof mais bon c'est là quoi. Il tape quand même. Est-ce que ça va veto? Oui. Mais qui est-ce qui a encore son droit de veto? Bah Ben. Oui, Ben. Voir. Il hésite. Obligé, Samael. Il y a des gens qui s'inscrivent qui n'ont pas joué. Qui n'ont pas lu les règles, hein, terrible. Salut Soma. On peut trouver le tableau des poules. Ah, je sais pas si t'es à Challonge en commande. Non, j'ai pas, mais bah tu peux peut-être donner. Si tu as. Ouais, si t'as... je vais copier le lien. Hop. Tenez, c'est ici. On est bientôt à la fin de la phase de poule, hein. Prostrate. Le challenge où vous pouvez voir les classements et les matchs déjà joués un par un. Bonjour Rice. Je vais essayer de le faire le. Attends, je sais pas si je vais le faire un t'as proposé. Alors Benkis peut-être qu'il veut veto par contre. Non, je crois pas que ça marche. Je vais essayer de le faire vite fait. Non, il veut pas veto. Il a dit non, j'ai pas vu. Oui. Ah oui, oui. J'ai pas fait gaffe, pardon. Je me mêle de choses comme ça. Non, mais je pense que c'est bon. Bah, il a dit qu'il était ok après. On va voir. Bon, j'ai. Bon, je fais la commande vite fait sur Moobot, comme ça tout le monde l'aura. Y'a pas pour long. Le temps que ça commence. Non, pas features, non. Non, pas le song request, non. Petit song request. Non, non, non pas ici. Pas ici, nulle part, jamais. T'imagines un petit song request chez MV. Ouais, normalement, ça fonctionne, hein, ça. Maintenant. Un petit song... Ouais, mais un song request avec 5000 viewers, c'est bon, ton chat est mort. Hein. Et ta musique aussi. Hein. Ah oui. Ah, y'avait ça, putain, c'est un gros streamer de Hearthstone. Comment il s'appelle? C'est qu'il bouffe tout le temps du tabac là. Et le mec quoi a fait sur son chat et il a genre 2500 viewers et ah bah il a toujours les pires musiques. Ça a dû partir en couille hein. Fatalement. Je pense qu'il écoute pas la propre musique de son stream hein, parce que. Bonjour Titis. Alors ce n'est pas la Liga hein, comme que le nom est indiqué. Ah oui, c'est un bad start. Mouchon qui vient de le dire, mais ce n'est pas une anti-synergie. Hein. Et du coup il a dit ok. Allez c'est parti. Ça peut être bien. Ouais alors est-ce qu'il va charger rapidement bah, l'activable ou pas? Voilà, en vrai ça charge oh, plus vite. Oui. Ah non bah ça va en fait, c'est mieux que ce que je croyais. En vrai ça va. Parce que je sais que certains familiers, notamment Little Brimstone, chargent très très vite. Sacdag hein, c'est le meilleur. Hein. Xamel pour moi Sacdag c'est le top du top. Hein. Donc là ça a l'air de marcher aussi. Faut viser quoi mais ça va. C'est ça. T'es où Kayosh? Pas là. Merci. Merci pour ce grand moment. Kraknos qui est devant. Effectivement, alors pour revenir sur tes propos tout à l'heure, j'irai avantage Kraknos en 6D. Quand même Ben il est pas ridicule hein. Mais Kraknos il t'es plutôt solide sur la Liga notamment hein. Pas que t'es 10. Il a pas pris la place de Moucheron pour rien, il a quand même un bon niveau. Oh bon, il va peut-être monter en divin et ce serait pas un scandale, pour être franc. Et après voilà, peut-être que Ben va avoir aussi des soucis parce qu'il connaît pas très bien le perso. Ouais, donc là pour le coup, gros avantage Crack, hein. Clairement Gothead. Et Crack qui est quand même derrière. Hein. C'est le début ça, regarde c'est un diesel. Évidemment c'est que le début mais... Il y a plus de vie hein, en tout cas, hein. Beaucoup plus même. Mais Ben a bourré et en plus il meurt. Il a, c'est... Ah ça va être compliqué.
Et en plus, il a un peu plus utilisé son activable en fait dans les salles, alors que Crack l'a vraiment gardé que pour le boss. Ça fait prendre War Bobby, tout à fait Molip. C'est ça. Ouais, Crack il est un peu plus serein sur son corps à corps quand même. Oh bah oui. Mais en attendant, sur un build Samuel à poil, il s'en sort à Ben. Oh la Lich, faut la prendre. Oui, pour charger. Pour ouais, charger, bah oui, c'est craqué. Ben qui le fait pas. Et il voilà, faut se barrer ben, de la salle. Il a pas les infos s'il y retourne. Il faut la prendre. Eh non. Qu'est-ce qu'il fait? Bah c'était un cul de sac. Il a vu que c'était pas par là. Ouais. Sac. Pardon. Mes aïeux. Bonjour oui, Malada. Il ne sait pas que les familiers chargent très vite. Ah oui, bah ça c'est une strat. Hein. En plus, c'est pas un familier trop chiant parce que de toute façon, il se met dans un coin et puis il bloque pas des éventuels. Il fait sa vie. Alors, je pense que Ben va passer un mauvais moment. Il a fait quoi encore, sac? Hein? Take sac. oh là là, Ben qui nous a fait une esquive. Passe par derrière comme ça, bim. Ouais, tranquille. Ouais. Sacrifice à l'altar, sac dag. Ah, ah non, 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 ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, la sac dag c'est craqué, ouais, non, mais là. Là, je pense que c'est plus ou moins fait. Hein. LOL! Ah, si ça qui était là, il bannerait, je crois. Il avait pas de reroll. Ah, il avait pas de reroll. Ah, dur! Ah, bah oui. Et ça aide pas. Ça, hein. Parce que le sac dag, il pouvait l'acheter en plus. Merci, Molip. Ah, la bonne salle avant l'objet chez Ben, bien relou. Regarde ça d'oignon. Ouh, pas mal ça. Oh, ça pourrait être pire, effectivement. Ça d'oignon. Ouais, tu tapes vite et puis bah, le familier. Hein. Ouais, donc, tranquille. La run est bien. Il a pas fait le choix, donc il est déjà son boss. La run est vraiment bien, je trouve. Hein. En tout cas, ça part bien. Avec la sac dag, chez Crack, c'est fait, je pense, même carrément. Oh, oui. Elle carie cette emote. Mais elle est trop bien, cette emote. Je l'avais pris totalement torché. Ah, la meilleure emote. Et Crack qui essaye de taper ça. Ça s'en suit parce qu'il a confondu. Ouais. Terrible, ah, mais bon. Là, l'écart est là, de toute façon. Ouais. Ben, il joue un peu plus safe et puis il a un peu plus de mal donc. Non, 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 mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il a failli le D6! Ah! Ah, le choke! Ah! Ah! Triple D! Ah! Bah, il a voulu son Void à la place. Ah, la status, mais bon, je pense que le D est quand même bien meilleur. Ah, oui, non, mais là, c'est fini, là. Là, il n'y a aucune question à se poser, c'est juste terminé. Ah, Kratos qui a quand même pas beaucoup de choix dans les Devil Deal. Hein. Ouais, les Devil Deal sont un peu pourris, hein, un peu à chier. Ah, fallait pas le faire. Hein. Ah non. C'est ah pas... non, fallait pas prendre ça. Pas bien. Ah, c'est pas bien. Mais voilà, s'il veut Void, voilà, est-ce qu'il. Non, j'allais dire, il peut Void le. Ah, le Hourglass, il serait le à glace, fond. Hourglass. Pire idée. Et Kratos, je crois qu'il il s'est un peu réveillé aussi sur son activable. Il commence à s'en servir dans les salles au lieu de l'utiliser uniquement sur son boss. Ouais, là, il a un meilleur build, hein, de toute façon, il est de loin. Hein. Ah non, fallait pas le faire. Hein. C'est pas bien. Ouais, bah. On va voir, hein, ça se trouve, les stat-ups seront généreux, mais même, j'y crois pas trop. Alors, moi, vous savez quoi, je pronostique un 3-2, histoire qu'il y ait eu suspense. Un peu comme Kayosh Death hier. Bonsoir, colonel. Un Kayosh Death. Oh là 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 là, mais non, mais on en a parlé, moi j'en ai rêvé hein, cette nuit. Hein. Ah, mais il dit, mais vraiment pourri. T'as le campus, allez. Ah, oh, la Puff Call, ouais, il fallait le prendre, ouais. Dommage brut. Clairement, plus 2. Je crois. Oui, il me semble que c'est ça. Et en plus, bah, t'as toujours l'incubus au cas où. Ouais, c'est pas extraordinaire. Hein. Non, là on est bien, hein, vraiment, hein, moi je trouve, hein. C'est. En vrai, sac dag, ça carré tellement. C'est qu'il y a pas grand chose et pourtant c'est déjà bien. Ouais, en vrai, la sac dag elle carry tellement. Oui, tu me diras sac dag avec tous les persos. Oh, mais encore plus avec Samuel. D'autres, c'est déjà bien. Putain, il a vu le rocher marqué. Le rocher blanc. Faut le voir. Hein. Il bombe beaucoup, ça le faisait un peu chier d'aller récupérer ses bombes et sa clé tout à l'heure, on l'a vu. Ok,
Kayosh, ouais, il nous aura bien fait réveiller. Hein. Et du coup, Ben qui prend la mouche énervée. Et dans le Evil Deal, il a pris l'œil of Belial. L'œil of Belial. Ça marchera qu'avec l'Incubus, donc c'est pas super. Il y a qu'un étage d'écart, hein, malgré tout. Un petit non, pas Julia Shadow. Si veut... Non. Oui, bien vu. Ringers, non. En vrai, le Seven Seals. Non, je pense pas, remarque. Mais bah, c'est comme d'hab, quoi, ça charge quand ils vont sur l'ennemi et t'as des mouches en plus, donc ouais. Après, à 7 de dégâts. Hein. Par contre, tu joues au CAC, donc les mouchoirs vont encore plus te faire chier. C'est ça. Allez, Ben qui va avoir son Devil Deal, il sait que c'est Krampus. Est-ce qu'il va prendre l'Ump of Call? Oh, je pense pas qu'il sache non plus. Hein. Ah bah, de toute façon, il a plus le dé. Void pour un dégât. Ouais, alors qu'il aurait pu avoir plus de. Bon, après, il a jamais joué le perso. Pour quelqu'un qui l'a jamais joué, ça sent pas trop mal. Hein. Ah, oui, oui. Bah, même Forgotten, où il disait qu'il avait pas beaucoup joué, franchement, ça a été. Hein. Bon, il leur manque un keeper en diversity. Hein. Un petit keeper. Ah, ouais. On attend le kebab toujours. Bah, en vrai, ils auront deux pièces kebab. Hein. De pisquer. C'est la transfou du tournoi. Avec Rack qui a plus de bombes, il est un peu embêté, mais ça, oh, ça descend vite, hein, il le fait bien. Ah voilà. En plus, il vole. Le sac d'ag avec l'activable. Il vole avec quoi? Ah, Léviathan, je suis con. Il y a eu Léviathan, ouais. Bah, Womb 2, après Womb 2. Oh, la transfou kebab. Oh là là. Go faire un mode sur Isaac. Ah, tandis que Ben il est remort et courageux, hein, il va faire Mamagordi sans rien. Il y va avec 5 de dégâts. Et au final, vous voyez que Samuel c'est pas trop mal, ça descend plutôt vite quand même. Hein. Ça va, il esquive bien en plus. Hein. Avec un Judas Shadow à poil, oh putain! Oh les piques, Et Kraknos qui se fait pas mal toucher mais qui a encore 3 touches. Ah, il y a encore la mort du coup chez Ben. À 5 secondes du retour. Dommage. Il y va, là il dit. Tant pis. Mais tu vois, avec un build Judas Shadow à poil, ça descend moins vite. Hein. Je suis quasiment sûr. Hein. Ah oui. Alors j'aurais pris la mouche bleue, c'est starter chez Samael. Son Kraknos, hein, faut pas mourir non plus. Il est pas de survivant. Ah Ben, les gifs, il a compris. Ah ça, c'est bon ça. Hommage à Pingouin. Il a miné Pingouin. Ouais, petit Pingouin. Quel homme. Qui fait bien, c'est sale. Oh, le cul-de-sac. Évitez les blagues sur sac, s'il vous plaît. C'est déjà fait. Trop tard, donc. Terrible. Repoussé, pas deux fois. Ah, une fois, c'était déjà il trop. Il est chaud, Ben, avec ses 45 secondes là. Ah, mais il est chaud en esquive là. Ah, il va mourir, qu'on va dire ça, tu vas voir. Voilà, bingo. Ah, mais les piques en même temps là. Yay. Bah, non, Kayosh, parce que. Là, on le voit là que ça marche pas. Il est à 5,50 de dégâts. Visiblement le void reste, ouais. C'est stat inhérente à ton perso. Par contre, il s'accroche, hein. Heureusement que c'est pas matriarche, hein. Apollyon meilleur perso, hein, pour mourir. Bah oui, bien sûr. Apollyon meilleur perso tout court. Devant Lilith. Devant Lilith. Oh bah oui. Je crois qu'il est en train de s'amuser, Ben, là. Hein. Moi, je trouve qu'Apollyon, c'est ok, quoi. Ouais, c'est un perso lambda. Correct, c'est un Isaac, quoi. Je veux dire. C'est un perso lambda, quoi. Avec son Void, ça va en vrai. Hein. Mais il faut le Void, hein. Sinon, ça va. Sinon, on se fait chier. Bon, sinon, c'est juste Isaac, quoi. Isaac sans D. Allez, c'est bien fait chez Kraknos. Ouais, Kraknos qui va prendre le point. Ouais, je colle Keeper pour après. En plus, il a le Polar, ouais, c'est easy. Et il utilise quand même son activable en mode. Hop. Je colle Keeper. Une victoire. Est-ce que tu penses qu'on aura Keeper? Un petit keeper qui tombe. Petit keeper. C'est parti. Ce sera pas keeper. Non, ce sera The Lost. Putain, ils ont vraiment des persos discutables. Ah. Ah, mais t'as dit que c'était pas si mal le. Le starter, oui, bon, Incubus, c'est vraiment en bas de la liste avec le perso. Hein. Bah, au final, non, pas tant que ça. Hein.
Oui, c'est vrai que ça remonte avec le fait que ça charge. Ah bon, top. Ah, puis il suffit que derrière tu trouves un petit poly, un petit Death Touch, le perso peut être sympa. Ah, Death Touch, hein. Ouais. Ah ouais, Death Touch, je pense que c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Lost AI. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents, ouais. Of you, kebab. Oh là là. Ils vont venir chez toi. Hop. Ils vont me casser la gueule. Ils ont mon kebab, putain. Les personnes merde. Chicken sac à merde. En tout cas, Wazos Diversity, ça. Bah, bon, on va voir. On va voir, ça va être sportif, je pense. Faut voir un peu leur diversité, mais ils ont pas trop de chance depuis le début, hein. Oui. Alors. Oh, ça va, c'est bien. Bon, il y a un item qui sert absolument à rien, mais. Lilbrim direct. Qui Lilbrim? Alors, tu vois, je suis pas fan. Hein. C'est très bien, Lilbrim. C'est fort, mais. Ah, bah en plus. Ah non, c'est pas. J'ai confondu. Fingerbone, ça sert à rien avec ce perso. Oui. C'est quoi Fingerbone en vrai? Direct un starter. Ah oui, donc tu dis que ça sert à rien, mais tu sais pas c'est quoi non plus. C'est quoi? Fingerbone. Si Fingerbone, c'est. T'as plus de chances d'avoir des cœurs d'os, je crois, un truc comme ça. Ah oui, donc ça sert à rien. Bien vu. Ou putain, t'as des cœurs d'os quand tu te fais toucher. Enfin, j'ai plus un truc avec moi avec des cœurs d'os. Putain, tu connais le jeu. Ah, j'ai appris Strinket en regardant la Mythos TV. Oh là là, ouais, d'accord. Death Touch, bah tiens, on en parlait. Parce qu'il a le mode pour voir les trinkets, alors du coup j'ai pu voir. Tu sais, c'était un trinket en finale de tournoi contre Anti. On savait pas c'était quoi, c'était le fromage. Et on a appris et ça m'a marqué du coup. Ah, le fromage? Ouais. C'est un truc que personne sait ce que c'est. Hein. C'est le fromage quoi. Quoi il ressemble? Bah c'est le fromage! C'est Cork! Ah mais Cork! Ah mais Cork, bah oui, j'ai appris grâce à Ika. Oh là là. Peut-être Kika a peut-être qu'elle a été marquée par le même tournoi que toi, mais. Ah oui. Brimstone! Brimstone Lilbrim! Ah oui. Ah, Crack. Crack, il fait sa vie déjà. Hein. Ouais, il veut le trinket. Ok, y'a pas grand chose. Après. Après The Lost, c'est compliqué. Hein. Ça, tu peux crever à tout moment. Ouais, oui, oui, alors on n'est pas à l'abri de. Une erreur de Kraknos. Bonsoir Sac. Et du coup alors Diversity, bah ouais, en vrai à part le Flame Tears, ils ont pas de buff. Il y a une image pour la vitesse quand même. C'est moyen. Bon, Sac, je ne touche. C'est plus en mode au cas où, je pense. Hein. Je ne toucherai pas à mes paramètres. Personne ne s'est plaint avant toi. Je sais ce que tu vas faire. Non, attends, laisse-le dire d'abord. On m'a forcé à venir. Pourquoi on t'a forcé à venir? Oui, insupportable. Sac. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fout là? Attention, Kraknos, hein, Mystery Papers, on a vu des erreurs. ne m'écoutez pas. Oh, il est bourré. Oh, tous les coups. Oh, s'il est rebourré alors que ce week-end il était mort bourré, moi je dis bravo. Ah, bah c'est possible. Oh, c'est terrible. Va dire de la merde dans le chat si t'es dispo. Mais what the fuck? Mais Kayosh! Je suis Rebou! Mais comment tu fais? T'es bourré tous les jours! Mais c'est un truc de malade! Pense à ton foie! Pense à ton foie! C'est les études, ça! Moi, les études, tu peux être bourré tous les jours, c'est bon. Ah c'est oui. Gratuit. Ouais, c'était quand même énorme que j'ai fait ça. Oui. Mais c'est gratuit d'aller à l'école après. C'est soit en chat, soit en vocal. Mais non, pas en vocal, je joue pas de lui, moi. Oh, on l'aurait mute au pire. C'est pas évident. Genre, t'as vraiment des cours à apprendre. Ah oui. Je la fais pas. Moi j'étais bien content, hein, voilà, à l'IUT, bourré tous les jours. Dormir en cours pour rattraper le retard. Ouais, bah, c'était ça aussi. Dead Cat, au moins il est safe, Ben, non. Ouais, Ben qui a un peu plus de complications avec son build, même s'il a du coup Lilbrim aussi. Ouais, son build est moyen. Il faudrait un peu de tears up pour lui, mais le mulligan c'est cool. Ça aurait été encore mieux avec une bribe pour le coup, mais. Bon, attends, bien. Mulligan ne prod pas sur Lilbrim? Non.
ça prend que sur, sur le desktop. En plus, c'est les étages corrects, hein, ma foi. Ouais, non, mais ça va. Hein. Bah, c'est un match plaisant, ouais, regardez, mes amis. Je pense qu'il va pouvoir rattraper un peu. Dormir en clinique. Ah oui, c'est vrai que ça doit aller en clinique. Donc ça, c'est peut-être plus dur, effectivement. J'ai jugé un peu vite. Tu juges. C'est pas bien. Il y a tout. Oh, un petit méga blast. Oh, The Void. Oh, The Void. Incoming. Reroll ça. Mais pour faire un crit count, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il est perturbé, il veut aller vite. Ah oui, mais tu vas pas prendre la batterie. Oh, le nombre de batteries en plus. Il pourra éventuellement faire demi-tour. Oh, y a moyen que Ben prenne la game là. Pourtant, le build de crack est mieux. Après, il peut jouer Orbital, il a 9 vies, il est bien là. Allez, voilà, là il peut aller chercher sa batterie. Mais bonsoir, il faut jouer. Hein. Je vais quand même aller faire le détour, je pense, à la place de Ben. Death Touch, Julia Shadow. Oh, ça va vite quand même, Romain. J'aurais été crack, je me serais suicidé à l'étage suivant. Pour boss rush. Ou aller au boss rush, ouais, bah ouais, quand même. Y a qu'un étage. Son build est quand même correct, il va pas trop perdre de temps. Malgré le méga blast en face. T'as toujours un Devil Deal potentiellement gratuit supplémentaire donc. Ouais. Non, il avait un build correct. Hein. Bon, il a toujours un bon build, hein. C'est pas le souci. Hein, mais... Ce qui est bien, c'est que les prosies là, ça va proc. La chatte. Du coup, bah, Ben qui se met plutôt bien là. Et il a pas voulu chercher ses batteries, il a pas fait. Alors finalement, c'est allé assez vite donc c'est pas une mauvaise idée ce qu'il a fait. Ah, ça a été serré, hein. Il était bien fait. On va voir si ça suffit. Ça va être serré cette histoire, hein. Hop, le méga blast, faut bien le placer, c'est bon. Ah, par contre, il sera obligé d'attendre son pola pour prendre le pola. Ah, mais nous on appelle ça le fromage, colonel. Cork, c'est du liège. Ah, oui, d'accord. Possible, ah, oui, mais ça ressemble à un fromage, hein, je vais être franc avec toi. Ah, c'est pour ça que j'avais pas compris. Ça prend ma gizmo. Ah, il peut piffer les pilules, hein. C'est vrai. C'est mal. Et Crack qui tient l'avance pour l'instant. Qui il devant. A eu un joli Lump of Coal avec son Brimstone. Donc il va pouvoir tenir encore un petit moment, je pense. Au moins un étage de plus. Il a de l'avance. The Sun récupéré, le mapping, bouchon de ça liège. Rien. Ouais, vous voulez une blague? C'est quoi la ville où il y a le plus gros embouteillage du monde? C'est le liège parce qu'il y a les bouchons! Ouh, deux objets de Guppy. Chez Ben. Merci pour la blague. De rien, c'est... Merci. Vous avez révolutionné les mondes, hein, carrément. C'est ça qu'il est pas genre... C'est une bonne blague, il a dit carrément c'est la blague de plusieurs mondes, là. Non, mais je pense que la blague n'a pas été entendue, hein, quand je l'ai faite. Merci Rodin, hein, de rigoler. Oh, la mort. Mais c'est bon, il a Z4. Et bonsoir Rodin, bonsoir Vudking. Alors, est-ce que tu perds le temps de ta mort dans le Mega Blast ou c'est pas grave? Oh, c'est compliqué. Là, c'est compliqué ce que tu me demandes. C'est... S'il te plaît. Il est déjà chargé. Oh là là. Oh, mais il va vite, hein. Easy, hein. Kraknos qui va vite aussi. À Kraknos, mais voilà, là, il... je pense que c'est à partir de là qu'il va commencer à perdre son avance. Au chess, je pense. Notamment, vu la vitesse avec le boss de chess. Et le Devil Deal. Et la Goated pour essayer d'avoir Guppy. Moi je dis ça se tente, non. Proton Baby à la place, c'est terrible! Cette blague, mon bouche un coin. LOL! 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 Bravo le chat, vous êtes fantastique. Je vous aime. Meilleure commu de Diac. Hein. La meilleure commu, ouais, probablement. Incroyable. Bref, on en est où? Ils sont au même étage, c'est serré, les builds sont à peu près équivalents, malgré tout, un petit avantage pour Ben, je dirais. Ouais, alors Crack peut bourrer parce qu'il a le Elemental. Ah non, mais je suis con, ils ont les deux. Voilà, ça va pas. Hein. Ils ont les deux Elemental, oui, c'est vrai. C'est compliqué, hein, faut jouer The Host. C'est compliqué à ce temps-là. Excusez-moi, hein. Voilà. Il y a un mec travaille. Je suis confus. Allez, ça rebourre le Mega Blast. Par contre, il va devoir attendre, hein, si jamais... Il peut save and quit, hein, c'est important. Faut reroll, là, faut reroll. Faut reroll, il s'en bat les couilles. Terminal Rob, tu s'en bats les couilles. Il l'a pris. Dommage. Terreur, là. Hein. Il aurait mieux fait, je pense. C'est plus un de dégâts. Deux et tenter le Guppy, ou carrément bah, barrer, quoi. On va même tenter mieux, hein. Mega Blast va charger vite. Il suffit qu'il y ait une petite empereur là. Ermite. C'est tu empereur. Peut marcher.
The Moon, c'est un poil plus safe, parce que t'as moins de choix dans les salles. Est-ce que tu veux jouer avec la variance? Là est la question. Il a pas de batterie, hein. Des bisous, Malip, bonne soirée. Il peut pas ouvrir ses coffres en plus, donc il peut pas piffer. Et il s'est fait troll par son mapping, donc même si son méga blast sera chargé, bah, il sera obligé de se taper un peu plus d'étages. Oh bah il va être chargé là, regarde. Il a fait un cul-de-sac seulement. Meilleur KT. Un cul-de-sac et demi, si vous. C'est un beau match quand même, hein. Ah ouais, c'est serré là, hein. On est beau match dernièrement là. Ça va permettre de passer devant. Eh bah oui. Ouais. Avec le minigun en plus, ça combine plutôt bien. Hein. Oui. Et par contre, voilà, il arrive à son chest, le Mega Blast se termine. Ah, The Moon pour aller à côté, c'est pas mal. Pouille, hein. Ouais, faut suicider. Ouais, Kraknos, son chest, c'est très rapide. De type. Très rapide. Ah, de type, c'est même lui qui va prendre le point. Aïe. Ben qui s'est fait troll deux fois, la salle secrète qui était vraiment pas le bon pif. Ouais, sauf miracle. Il meurt en plus, ouais. Alors, je pense que c'est pour Crack là, c'est fini. C'est fini. Dommage à Ben qui s'est bien battu, mais. GG. Beau match, hein. Beau match. Et là, va falloir remontada. Va falloir remontada. Allez, le roule 7 pour la quatrième. Le mapping sucks. Désolé, Ben, là en l'occurrence, c'est vraiment ça qui a joué. C'est ça, ouais. Ça sera de l'uncidé. Alors ils ont call keeper, hein. Bon, ce sera Eve. Mon dieu, un perso normal. Oh ouais, c'est un perso plutôt bien en plus. Ça va, c'est pas trop mal, hein. Kayosh en train d'écrire. Mais qu'est-ce qu'il écrit, Kayosh? Kayosh. 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 Even si did. Benkis est en train d'écrire. Alors important aussi, après on a potentiellement une première affiche de finale. Après. Entre Cyber et Anti-Zubilamaka. Oh là là. C'est un beau match. Ah pareil. Oh, une seconde, ça va. Pourquoi t'étais en train d'écrire dans le chat, Kayosh? N'importe quoi. Vous êtes très bouffé. Pas sa faute, c'est le kebab. C'est le chat. Non, pas Tech 5. GG Kraknos. Qui prend pas le lung. Les meilleurs starters. Oui, voilà, touche-toi par contre, pas touché. Enfin, touche-toi, tu fais ce que tu veux, mais. Touche-toi, voilà. Évite en match quand même. À quelle heure le prochain match, Jack, après hein. On attend Death qui fasse ça. De quoi? Après la pizza, la petite pause. Ah, la petite pause branlette, voilà. Oh, j'ai dit le mot, t'inquiète pas. Tech 5, hein. Carry contre le boss là, 100% carry. Boss hormone, c'est craqué. Là par contre, faut plus faire toucher. Ah, oui, mais il a qu'une salle. Putain, mais c'est quoi cet étage? Oh là. Bah, c'est une team room, hein. Avec une batterie en plus. Alors, attention, le. Oh, c'est le pas... boss, il est pas évident comme boss. Deux. Il est pas si évident que ça, hein, pour le coup, dans une petite salle. Eh bon, il s'en sort. C'est bien fait. Bravo à Ben. Barbandage qui est pris. Aïe, Belial. Et Lilian Thuram qui ne sera pas pris. Il a un dé, si jamais ça reste ouvert. Oh, il y a une pause. Il y a une pause branlette, oui. Il y a quand c'est quoi, Crack? J'ai même pas vu. Alors, Crack. 4-7. Les 4-7, c'est plutôt efficace avec Eve, hein. Ça va, mais Eve est un perso assez puissant, ce que tu as dit avant. Ouais, mais dès que ta fonte est transformée, voilà. Faut juste faire gaffe à pas prendre des cœurs d'os par exemple un peu mal placés. Ouais, faire gaffe aussi à avoir des cœurs bleus derrière, hein, si possible. En tout cas, c'est quand même la vie. Hein. Ah, c'est con ça, il s'est fait toucher là. Qu'il se refasse toucher derrière. Ah oui, du coup il a pris l'HP, donc qu'est-ce qu'il va faire? Ah, c'est tellement long! Il faut qu'il prenne un demi-cœur en plus, hein. Non, il peut prendre. Ouais, c'est bon là. C'est un pro. Ah, mais je pense qu'il cherchait un demi-cœur. C'est un pro, Kraknos. Pour être bien. Si tu es vraiment un pro, il aurait pas pris l'HP. Bah oui, voilà, mais. Bon, ça c'était pas de bol, c'était de la RNG ça. Ah, mais il a peut-être marché sur le cœur sans faire gaffe par contre. Le cœur que le boss ça fait pop.
Il y a deux étages quand même, hein. Déjà. Hein. Ah ouais, non, mais Ben, déjà, il est parti assez vite, hein, puisqu'il a trouvé son tech direct. Il a pas le temps. En plus, il joue bien. Hein. Il a pas le temps. Abel qui est pris. C'est bon, c'est GG. Ah, même qu'on a beaucoup trop entendu, hein. Alors, Guppispo, Dark Matter. Ah oui, bah, Dark Matter, j'aurais pas pris, hein. J'aurais pris une Cubus à la place quand même. Hein. Bon, après, non, quoique, c'était compliqué comme cool quand même. Putain, Abel a failli tuer quelqu'un chez Crack. Ça super secret, y'a rien dedans. Déjà deux de vitesse. Hein. Crack, faut esquiver le monstro. Oui, ça va pour l'instant. J'ai peur pour lui. Hein. Alors, les monstros dans une petite salle, c'est du bonheur. Hein. Le pire, c'est quand on a deux. Là, ça va, ils se sont mis bien. Okay. Oh, l'île brille, oui, acte 2. Il prend, il s'en fout. Ah, il a bien fait. C'est bien joué, hein, c'est bien joué. La moule. Perso, j'aurais reroll aussi, et comme quoi, tu vois. Ah, moi j'aurais reroll Devil Deal sans hésiter, mais... Non, mais c'est bien joué que ça part. Hein. Il se doutait qu'il aurait rien. J'ai un meilleur build du coup du côté de Crack maintenant. Avec la Lilbrim en plus pour carry. Ah, Lilbrim, ouais, c'est quand même pas mal. Bah, ça carry le début de la run. Hein. Ça lui permet de revenir et puis de voir les prochains Devil Deal pour essayer de doubler. Est-ce que la pose aussi ce speedrun? Oui. La pose ce speedrun. Le speedrun de Pipi, bien connu. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a speedrunné 2 heures. Et il a attendu 2 heures. Quoi? C'est pas une blague, hein. C'est pas... mais comment? Faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie, hein. C'est... Bah, en vrai, t'as le droit de faire des autres trucs, non? Non, il a attendu. Oh, la gothette piffée chez Crack. Ah, pour le coup, je préfère largement son build. Hein. Combien même Ben est devant. Non, je sais plus si c'était à l'ESA qu'on avait vu ça. À l'ESA, on a eu vraiment le pire speedrun possible. Genre, t'as des speedruns d'apprendre à laisser aussi. Oh. T'as rêve. Speedrunner la reprise du taf. Oh là là. Ah, le cork. On en a parlé. Bonsoir Epinette. Je suis en train de mourir avec un pendou à laisser là. Ça ressemble vite fait à un bouchon quand même, hein. Ça ressemble à un fromage, hein. Bouchon, hein. Ça ressemble à un fromage, clairement. Voilà. Hein. Ah yes. Ah yes, c'est pas mal. Ouais. Ah, de la vitesse. Alors, je sais pas toi, mais moi je m'en sers quasiment jamais pour faire des dégâts. C'est plus quand je pense sur un mec sans faire gaffe. Ce qui est beau, c'est que tu viens de me rappeler que ça fait des dégâts. Ah. Ah, tu vois, c'est... En vrai, c'est vraiment juste du speed up, quoi. Oh oui. Allez, il y aura un item de Devil Deal, en tout cas pour Kraknos. Spirit of the Night, tu t'apprends. Ouais, ça se fait pour le Léviathan. Bah, le Void, ouais, non. Bah, ouais, voilà. On fait gaffe Spirit of the Night, hein, clairement. Ah, n'oublions pas que c'est To The Lamb, bah... Death s'est fait poutrer là-dessus hier. Putain, Gaïoche. Oh là là. C'est bon, ça nous a marqué ça. Ah, mais c'est le match 8 pour l'instant. Moi je suis content d'être venu hier soir. Alors... On était là, t'imagines? On était là. Ah, salut Pinette. Non, mais bah, en tout cas, ça joue bien. Choco! Le Choco du pif! Putain, mais Choco et Brim. Avec l'île Brim. C'est craqué. Ne jamais prendre le Mystery Sweeper, oui. Gaïoche, il a même coaché Death après le match, hein. Alors, tu vois, cet objet là, il te laisse le choix entre ton Pola et... Oula. Il y a tout qu'à Frost chez moi là. Oula là. Oh. Ah non. Le mot. Ah, mais je vois plus rien. Je vois plus rien. Oh là là. Ah, je me dépêche. Vas-y. Ben qui arrive à rester devant, il a un mot of the Void. Pas très fort. Et Perrin qui marche. Ah, avant, c'est bon. Il aurait pu avoir son Mega Blast. Mais il a eu le mot of the Void. Il a le mot, mais il aurait pu avoir le Mega Blast s'il avait pas pris le mot. Alors ça, tu vois, c'était le call compliqué. Ah oui. Donc bien sûr qu'il fallait prendre le mot, citation. Oui papa, tout à fait. Non mais le Choco du pif, c'est magnifique. Hein. Choco comme ça là. Oh, le mot derrière là. Ah, le mot il va carry, hein. Pour moi va rester devant, hein, je pense. Ouais, je pense aussi.
Attention, je vais pas se retrouver touché alors. Super sexy time incoming, yeah. It was the second place of this group, since you have the first place so far, and you will probably take it forever. I mean, even if you lose against Lobster, I think it will be fine for your first place, so... Y'a aucune chance de se faire dépasser? Non. Et le mot qu'il a acheté? Be scared of Kaioh, she can still make it to second round and face you in, in the next group. Oh, il pique cac! Est-ce que t'es encore sûr que Ben peut le prendre? Là, ça change quand même, hein. Ça devient compliqué. Après, c'est un IPK Choco, hein. Mais c'est très bien, IPK Choco, justement. Donc, à voir. Ouais, je sais pas. Moi, je suis team pas Choco. Moi, j'aime pas le Choco non plus. Je préfère le café. Ah. Pour les enfants. Oui, voilà. Allez, négatif qui est pris. Crampus qui est instant tué. Sister Maggie. Oh, Rotten BP à 72 dégâts. Oh, il y a une évase aussi. Hein. Avec les Oise, il prend pas la lithose. Bon, il y avait rien vraiment. J'aurais skip pompe 2. C'est Crack 2 qui a gagné, ouais, probablement. Ouais, alors... il va là, du coup, la skip pompe 1. Il passe devant. Bah, du coup, effectivement, là, avec les bombes, forte chance qu'il reste Ben qui avait un très très bon build, mais là, pas rivalisé. Ok, ouais. GG les vases, ouais, c'est un problème de ça, et puis je pense qu'en plus son mapping est bon là. Après il peut crever, sur hein. Les vases, il aurait pu remonter assez vite. Hein. Je pense qu'il aura monté, ouais. Il peut crever aussi, hein, crack. Hein. Tu sais, c'est un malentendu. Quand même en esquive, un il est pas mauvais. IPK, Ouais. Ermite, c'est une empereur. Oh bah c'est une empereur tout court là. Bon bah écoute, RNGG, hein. RNGG là. Vous pouvez rien faire, Ben là. Eh oui. Ben qui donne tout, hein, mais ouais, le pacte, il peut prendre l'appel pour skipper un étage, mais c'est pas worse. LOL. Yes, totally. Oh, la succube. Ouais, non, j'ai un shadow, j'aurais pas pris, moi. C'est... Tu perds quand même une touche, et potentiellement, ton build est déjà très bon. Bon, tu gagnes plus 12 en dégâts, mais... Tu perds une touche? Comment ça? Bah, il était à 3 touches et demi, maintenant, il en a plus qu'à 2. Donc là, il a plus qu'une touche, en fait. Oui, mais du coup, il a pu prendre le bus. Ah, oui, mais regarde. Zone, avec, Ah oui, non, mais la connerie avec... The choke. The choke! Oh, il a un son pour le mapping. Il est parti du mauvais côté. Wave and bother, yeah! I won't take it, probably. Le incubus, c'était plus une grosse erreur que le Judas pour moi. Ah, les deux! Parce que le incubus à cet endroit de. Enfin, il est quoi? 5ème, 4ème, 5ème là? Il est en 4ème slot! C'est horrible. He will die. Coup, se le prendre à chaque fois contre un mur. He will die. I'm sure of it. Du coup, il est obligé de jouer ultra safe et Ben qui Ben, revient. Hein. Il a repris hein. L'écart alors qu'il y avait un étage d'écart. Non, it's not third slot. It's fourth. It's fucking fourth. Ah oui, alors là, quatrième, c'est dégueulasse. Ça, c'est. Moi, le genre de truc qui m'arrive, c'est tu tires, ça tape contre le mur et toi, t'es en train de marcher contre le mur. Donc. Le décès. Ah, et Ben qui se fait aussi troll par son mapping par contre. Lui, il a pas le mapping. Il a un moon pour son dernier étage. Moon contre empereur. Ou contre une mort en fait, hein. c'est ça qui va compter. Moi je dirais que ça va être une mort. Après, bon, tout se fait à peu près atomiser, mais faut sortir en Zolem. Et la mort! GG Ben! Et oui, donc là faut relancer, mais c'est un peu loin. 9 minutes pour doubler Ben, c'est compliqué. Oui. Super sexy time! Alors Ben doit quand même battre sa tête. Il va le faire. On le précise au cas où. There we go. Attention Ben, tu te fais un petit peu émancher par les ennemis là. Tu n'as pas le pola. Allez. Kratos saura repartir. Ben, qu'est-ce que tu fais Ben? Oh là là, non, Ben. Oh là là, le choke. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. C'est la plus simple. Oui, t'as dit ça aussi pour Kaioh hier et il est mort. C'est bon. Tellement content descend, de cette peur, c'est trop méchant, Gotterman. Ok. Sigmata. Mais Sigmata, faut le prendre. Mais prends pas tout slow, mais y'a que de la merde. Y'a que de la merde. Voilà, Shoot Whoop, l'ATP. Oh, il a pas de bol sur ses TP, hein. Non. Ah, ça... peut-être en bas. Ouais, ah, peut-être en bas, ouais. Ça va être compliqué, hein. Je pense qu'on va arriver aux 20 minutes.
Il y a des chances parce que du coup là il faut que Kraknos revienne en 8 minutes, il faut qu'il dépasse. Bah faut qu'il dépasse Ben, on sait pas jusqu'où ira Ben pour l'instant. Oh le giga de choc sur Satan hein. C'est le joueur de ton cœur Ben. Ah bah écoute. En plus c'est un peu un match sur la survie hein. Il a fait un coup là sur son Satan. Kraknos can totally win it, yeah. Il faut un ennemi champion Kraknos pour Ben. Kraknos peut gagner si il arrive à battre The Lamb et que Ben meurt. Bah là peut toujours se passer ça hein. Là faut chercher des super secrets. Oui, elle est pas par là, non mais c'est mort. Elle sera jamais là. Elle est peut-être là, ouais, sur un malentendu. Ouais, non. Ouais, donc là, faut pas la chercher et puis bah. Et là, faut serrer les fesses. Ouais, c'est faut vraiment être serein là. Allez, la première phase est un peu relou avec les bombes. Ensuite, oh, les deux en plus. Elle regardez pour quand il y avait deux boss. Elle est RNG en plus, hein, la deuxième phase. Hein. Il joue pas son nom, hein, du coup, parce qu'il veut pas aller au cac. C'est pas plus mal, je pense. Ouh, il y va. Ouh là là, il a esquivé un coup grâce à ça. Ah là, non, ça va pas passer là. C'est bon, il esquive les clairs magiques. Il reste plus que la phase. Oh là 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 là. La tête. Oh là 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 là. Il va au mot. Est-ce que tu sens la mort à la toute fin? Les lasers qui sont ici. Allez. Eh Ben. Oh bah putain. Bravo à Ben. Qu'il a fait, il s'est fait bourrer sur Satan et par contre contre Zolem, il l'a fait comme il faut. Ben quoi, on pourra dire qu'on était là. Ah là là. Oui. Allez, la 5ème, Diversity ou CD. Et ça sera du Diversity pour terminer. Allez. Avec Keeper. Oh, avec Kane, oh, c'est nul. Hein. Bah, petit GG à Ben quand même. Ah, ouais, gros GG à lui. Hein. Oh, GG. Hein. What the fuck, this run. Alors ça sera Kane, div to the lamb. Alors Kane div, oui. C'est bien. Franchement, ok. Il a serré les fesses. Hein. Bonjour Fanny Kitz. Balls on this man, I would take sick matter 100%. Yeah, same for me. It was a small mistake from him, but still. He wins, so it's fine. Il a peut-être pas pris pour tenter mieux, mais c'est vrai que le HP était bienvenu. Ça va tellement être chaud. Après, moi je sais pas si ça te le fait aussi, mais il y a un truc qui m'arrive très souvent. C'est genre, je suis full cœur, je me dis oh bah easy. Et du coup, je bourre et je me fais taper par plein de trucs. Et là, d'un coup, il me reste deux cœurs et je fais ah, tout d'un coup, des esquives absolues. Ça arrive, ouais, et puis en général, il y a une règle qui indique que t'esquives mieux quand t'as plus trop de vie. Voilà. C'est ça, t'as le petit stress donc. Ouais, c'est. Je préfère faire des runs à 3 coeurs que des runs à 9, hein, pour être franc. Voilà, c'est ça. Comme ça, t'as une touche quand même au cas où. Alors, y'a plus rien chez Kraknos. Et après, les esquives. Y'a plus rien chez Kraknos. Non, Kraknos. Kraknos! Alors, ça a pas commencé de toute façon. Il a perdu quelques secondes. Ah bon? Alors, je suis en retard parce que pour moi, Ben il a pas lancé du tout encore. Qu'est-ce que ce bordel là? Il y a 8 secondes d'écart, bon ils ont type light tous les deux. Hein. D'accord, donc je vais faire un post-play pour être pas. Ah mais non mais c'est chez Ben que c'est mort. Non je pense qu'il a fait une connerie crack. Bref, on type planète hein, chez les deux. Ok, bon l'écart est moins important sur diversité. Oui, type planète, ah, putain, j'ai rejoué ça contre le chou l'autre soir là. Ah c'est de la merde hein. Ah ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Death Touch chez notre ami Ben. C'est une très bonne idée hein, parce que là le piercing shot sur ce genre de build c'est quand même très très bienvenu. Oh mais insupportable. Bonjour Red Mercury. Polyphème, non c'est pas pris. Ah Polyphème avec ce build effectivement t'as pas envie hein. Non. Alors j'ai pas vu ce qu'ils ont d'autre dans l'univers. Le bouquin. Une technologie. Sac d'ag encore. Ah ouais, t'as un sac d'ag, bah là du coup tu t'en fous de tirer n'importe où. Tech Zero insta win. Yeah! With Time Planet here. Of course. Putain, oui, Tech Zero avec ça, oh là là. Mais il est réglé! Oh, insupportable! Salut Red. Ouh, ça c'est en train de planter chez Bench. Chez Ben? Pas si me fait pareil pour toi. Non, moi c'est bon. Le post-play Carmi, c'est bon.
non, ça marche nickel. C'est les planètes enthousiastes. Qu'est-ce que tu es en train de dire, moi? Ah oui, ils ont le gold bar, là, le lingot d'or, et puis... j'ai oublié son nom, le truc des araignées, là. Bursac? Bursac. Putain, je m'en souviens encore. Hein. Ok, ok, parce que du coup, pas de touche des araignées. Ouais, ça va. C'est pas trop mal. Ils ont que du bonus, quoi. À part le... À part... le à part Taille Planète, bon. Voilà, c'est ça. Qui est quand même pas extraordinaire, faut le dire. Mais il va avoir Brim, tu vas voir. Ah, Incubus qui veut pas être pris. Aïe aïe aïe, dommage, hein, parce que là ça serait bien. À moins qu'ils prennent le bouquin, un cœur bleu. Oh là là. Ah, oh, ça c'est les strats un peu trop élaborés. Alors, Colonel qui demande si vous pouvez veto le Tiny Planet. Alors, ils peuvent veto les builds avec les persos. Mais là, on parle pas de build dans Diversity, on parle vraiment juste de, bah, de Diversity donc. Ouais, y'a pas de veto de build, à moins vraiment que ce soit le cancer. Le veto est fait uniquement par Shigan si on a un en Diversity. Ouais, s'il y en a vraiment un, genre. On a eu un Keeper. Keeper Isaac Sartre, c'était mort quoi. Ben, will you use it for tax zero? Lolo. Oui, Ben carré. Hein. Bon, je t'ai augmenté un peu. Il peut prendre le Judas Shadow, ouais, bon, il aurait pu, mais c'était pas forcément mieux que son Death Touch avant. Non, c'est clair. Qu'est-ce que vous dites, craquer? Après, ah, Z jusqu'à Tech 0, c'est chaud. Tant que ça. C'est comme Jacob Zader, là, ça doit pas être extraordinaire, vu que tu peux pas taper les cailloux. Mmh, ouais, c'est ça. Heureusement qu'il y a la sac d'ag. Ah oui, effectivement, Kraknos là il est bien. Hein. Ouais, sans sac d'ag ça aurait été chaud pour lui. Hein. Bah, d'ailleurs, on voit qu'il tire pas énormément dans les salles. Il tire un peu plus en mode bof, si ça touche. Bonjour, passion. Et ben voilà, sac d'ag également chez Ben. Par contre, du coup, ouais. Il y a deux étages. Trois hein. étages de retard. Il ouais. y a deux étages. C'est terrible. Alors, après, sur cet objet. Moi je suis adepte du tir en arrière. Ouais pareil. Tractor beam. Yeah, kinda a good thing but not sure. Ah oui, tractor beam c'est vrai. Mm-hmm. Bah du coup tu tires plus n'importe comment. Ouais tu tires en ligne droite quoi mais c'est pas ouf non plus hein. Bah du coup t'as juste un tears up, ouais c'est pas la folie. C'est pas la folie furieuse quoi. Alors que bon, le sac d'ag c'est GG. Les pièces, oh il veut pas les pièces, j'aurais peut-être pris les pièces pour aller au shop quand même. Tenter un mapping pour essayer de revenir. Et drama. Ça va être compliqué quand même, hein. Il y a déjà de l'avance pour crack. Bah c'est peut-être pour justement c'est pour ça le reroll de l'argent, je comprends pas trop. Gutted. Oh ça reset ah, encore, oh, Ben ah, qui rentre en mode choke. Il veut un délit de ouf là, il veut un brimstone. Okay. Il roll jusqu'à Brimstone, c'est compliqué. Non, je pense que c'est pas une bonne idée, ce qui me fait peine. Hein. Bah, ça Sacred Art, ça va, c'est correct. Sacred Art, c'est pas mal, hein. Il prend le Tech 5. Non, 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 non. Le choix compliqué. Tech 5 ou Sacred Art. Ouais, non, en vrai, non. Ouais, Sacred Art quand même. Je pense qu'il il a vraiment envie de tirer tout droit. Ouais, je pense qu'il a un peu craqué là. Hein. Bon bah là pour rattraper il a intérêt à avoir des énormes dommages up parce que sinon ça va être compliqué. Se craquer Tiny Planet, oh, je t'avoue que non. Craquer oui oui. Gothead. Ouais, il tire en arrière pour toucher avec le Tech X. Tech 5. Le Tech 5 pardon. Bah oui. Ça Tech X ça ferait quoi? Rien. Rien, c'est un Tech X. Ouais. Tellement un objet qu'on prend jamais. Ah, Tiny Planet, ouais, tu le vois qu'en Diversity, en hein, peu de choses près. C'est ça. Parce que même avec le Brimstone, les gens ils s'en foutent. Avec Tech Zero, ouais, avec Tech Zero. Ouais, c'est ça. Mais non. Ouais, on va voir, mais là ça a bien parti pour Crack hein, quoi qu'il arrive. Hein. Bah, Crack qui est loin hein, là. C'est son D1.
Il a eu une Goathead aussi, donc David Deal assuré. Une pièce Guppy, un seul monde. Un objet de Guppy, ouais, ouais. Il a eu du Majop. Mais je pense que Ben, ouais, il a un peu craqué, genre. Ouais, à mon avis, il est pas serein sur son Tiny Planet, il voulait un truc pour tirer en face. Il va tenter le Brim, non? Le Nail, ouais. Ouais, c'est pas terrible quand même. Je pense que c'est pas une très bonne strat hein, qu'il a eu Ben là. Ouais, ouais. Je fais pris par crack, deux pièces Guppy. Et le. En vrai, le Death Touch est pas si mal avec le Tiny Planet parce que comme et tu. Trois pièces Guppy. Touche les ennemis. Mais plus qu'un demi-coeur. Non, un coeur et demi maintenant, ça va mieux. Bon, là, Guppy, ça va faire du bien du côté de crack. Hein. Ah, ils ont eu un match sympa les deux. Ah, c'est terrible. Le Fortune. Void Rage, ça va faire du bien. Petit chat. Il a eu un peu de chance, mais voilà, malgré tout. Il faut un peu de chance sur Isaac, hein. Toujours comme ça. Mais il a aussi Parisette hein, quand même. J'aurais Parisette quand même à la place du Death Touch. Hein. Ouais. Et la sac d'ag aussi, ouais. Même avec un David Deal pourri, tu peux toujours jouer le Godroom, tu sais. Y'a moyen de te démerder avec ça. Hein. Ah bah là, Godhead par contre, oui. Oh bah, Godhead, Death Touch, High Planet, c'est excellent. C'est à dire. Clairement. Crac, on voit qu'il galère un petit peu, mais voilà. Sur les boss, par contre, y'a pas de soucis. Vous savez qu'il peut pas être pris. Abaddon qui peut être pris. Bon, la War, c'est un peu accessoire, j'aurais pas pris perso. Hein. Ouais, il est déjà presque full speed. Bon, c'est pour les mouches peut-être pour plus de dégâts. Ouais, ça marche avec les tirs, bien sûr, mais. Mais au tirer, c'est pas trop ça encore. Et il est capable de. Ça, il va peut-être se faire chier hein, quand même hein, jusqu'à la fin de sa run. J'espère juste qu'il n'y a pas de choqué. Comme à la run d'avant. le décès serait. Terrible. Assez fou. Ça peut venir vite. Alors, regarde, ça peut venir vite, hein. Il se fait toucher là. Du coup, il joue pas trop avec sa sac d'ag. Il est moins serein là. Hein. Il peut venir très vite. Hein. Il pourrait prendre les bombes si c'est gratuit. Non, bon, ça va. Il esquive bien, il joue avec les tirs à distance. Propre. Non, c'est propre s'il fait crack là. Ouais, Patriarche, y'a pas de pot là. Y'a pas de Pola! Y'a pas de Pola! Il est mort! Ah oui, voilà! Oh parce alors là, c'est un giga crack! Oh là 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 là! Il a oublié qu'il avait pas de Pola, je crois. Je pense qu'il voulait tenter. J'aurais su à sa place. Tenter le gold là, le lingot. Peut-être. Pour qu'elle bouge plus. Oh, il va bourrer la machine. Private Lotion Community. Faudra Broken Remote, non, il voulait juste 5 heures. C'est bien joué de sa part, hein. Le Vibrant Bulb c'est mieux maintenant en plus. Ouais, surtout que la Guppy, ouais, non. Il y va jusqu'au bout, il avait toutes ses pièces jusqu'à avoir des cœurs. Il a raison. Le Matriarche, il a intérêt. It's not the way to be number one. On sait pas, hein, petit empereur, ça peut être la façon de devenir number one. Le Summit, pas bug. Oh, il a pas les cartes. Oh, attends, il va aller voir. Hein. Plivet, Luskomu, Ajax, Soubli, big up à la communauté française. Ah voilà. Broken Remote. Eh oui. Broken Remote Guppy. Storky. Ah, c'était le bon plan hein, quand même, hein, malgré tout. Je pense qu'il va l'isoler sa Broken Remote. Ah non, bon, il se barre. Ah oui, bah, c'est bon. C'est bon. 3,5 coeurs, c'est ok. Allez, c'est large. Il faut être serein. Et s'il va être serein, Kraknos. Idnawi, Flantuskoe, Komi. Ouais, c'est bon, il est bien. Yes, MGLM. Agreed. How are you doing today? En fait, il est en train de te dire French Community is garbage. Oui, parce qu'il a raison, en soi, moi je suis d'accord.
Alors attention. Non, garde ta campusette, t'as une broken remote. Ouais, c'est bon. Il la pose pour le. Prendre le cœur, clairement. Bon bah pour le coup là, broken remote Gapispo, c'est GG. En... Bim. En plus c'est une empereur. Alors, les TP. Oh voilà, le boss. Il y a eu double D en. Il s'en fait toucher quand même, attention. Non, c'est bon. Non, prends pas Eye of Belial, s'il te plaît. Respecte-nous. T'es sub, c'est Sigan. Oui, mais c'est... je sais pas c'est qui Sigan, mais il a l'air d'être bien. Il a mis la veste. Et pour l'instant, bah Ben, ouais, qui est remonté, hein, mais c'est compliqué. Ouais, bah là c'est fait, hein, un peu de choses près. Je pense que c'est en bas à droite. Ou à droite tout court maintenant. Je n'ai qu'une parole. C'est beau, passion. Broken Remote qui veut pas. Effectivement, c'est à droite. On a vu les deux salles bloquées. Ouh, non, c'est au milieu en bas. Non, je pense pas. Ça s'est décalé. Il tente la droite. Ouais, tu vois, j'aurais dit par là, ouais. Et oui, c'est là. Allez, le Satan, faut être serein aussi. Avec les mouches, ça devrait aller. Je crois que Sac est vraiment bourré. Paul qui va regretter, probablement. Elle est trop méchante. Non, elle est trip Marie. Méchante. Elle est trip méchante, c'est vrai, pardon. Trip méchante. Allez, le halo. Là, tu... Le pispo qui est utilisé, c'est quasiment une empereur. Et du coup, voilà, le match pour Crack qui a failli et qui a été sauvé par son Guppy. Ah ouais, c'était vraiment pas loin. Qui hein. Ensuite est allé farmer, mais du coup, c'est bon. Ça joue Orbital, ça regarde les streams de futur. Dastage qui proc, faut bourrer. Ah, faut bourrer, mais pas trop. Hein. Faut bourrer, mais pas trop. Hein. Après, il a le gold, enfin le gold, le lingot d'or là-dedans. C'est bon. Cracknose qui prend le point. Tu sais, tu aurais pu être compliqué quand même, mais ouais. C'était un match qui a été compliqué, hein, 3-2, tu sais. Envers et contre tout, c'est pas une victoire simple, hein. Ah non, non, pas du tout, hein. Clairement. Et Ben qui est triste. Moi je dis juste, it's fine, Cyber. Faire un pari sur la prochaine race. Oh! Ah oui, genre, alors j'avoue que la prochaine race c'est 50-50, hein. Attends, mais moi je veux les stats, attends, je vais parier. Alors, je vous avoue, je vais parier sur l'underdog de ce match. Parce que je pense que Cyber est favori. Mais je vais parier sur Anti. Oui, je dois en m'occuper de quelque chose, sac, là, putain. Alors. Pour le coup, bah non, t'auras pas, j'aurai pas ta virginité. Est-ce que Ben veut nous rejoindre? Ben, il n'y a pas l'air chou, je sais pas. Bon, s'il veut nous rejoindre, il peut. Alors, Cyber s'est placé à 53% devant Anti sur 15 races sur Racing Plus. Le 50-50. Oh, le 50-50. Après, 15 races, c'est pas beaucoup. Non, ils ont pas beaucoup joué. Hein. Et du coup, je peux bet là déjà, Passion. C'est prêt. Eh bah ben en tout cas, bah écoutez, on va passer à la suite. Gros GG ou 2, hein. Très beau match. Très très beau match pour commencer cette soirée. Et potentiellement, ouais, bah, peut-être l'affiche du premier tour hein, après. Hein, clairement, entre Anti et Cyber. Hein. On va passer à la suite, en tout cas. Ben qui est là. Bonjour Ben. Ouais, salut. Comment ça va? Je t'augmente. Sinon après je vais me faire engueuler par mon chat. Ah t'es déjà au fond. Non. Non. Ruined. Bon j'ai coupé la musique. Alors que... Bah déçu là sur cette dernière run. Ça commençait à être bien. Je me suis dit peut-être je vais pouvoir le rattraper. Et bah non. Ah, là, là. C'était giga serré. C'était giga tendu. Très très belle race. Hein, clairement. Malheureusement, c'est ce qu'on avait dit en début de match. C'était le match pour la deuxième place, hein. Là maintenant c'est mort.
C'est terminé pour toi, je suis désolé. Bah ouais, ouais, je sais, je m'en remets à compte, je savais qu'il fallait gagner. Mais non, très très beau match, hein. Franchement, t'as juste un peu traîné ouais, sur tes rolls, clairement. Puis on en parlait avec Pingouin, je pense qu'on serait parti d'Astouch. Malgré tout, même avec un DVD pourri. Ouais, plutôt que de recommencer. Ouais. Bah ouais, j'aurais dû, ouais, je m'en suis rendu compte par après, tu vois, je me suis fait, mais je re-roll pas. Et puis en fait, je le voyais quand même aller vite, et la sac d'axe, c'est quand même un. Bah, un item qui était bon avec le build, hein, et voilà. Ouais, il avait une bonne run, hein. Il avait une bonne run, et puis, ouais, et puis quand j'ai vu qu'il était parti, et que moi j'arrivais pas à le rattraper, tu vois, avec la sac d'ag, quand j'ai vu que le devil deal était pourri, je me suis fait, bon, bah, on va recommencer, on va essayer de trouver quelque chose de bien. Alors, Tech 5, c'était bien. J'espérais autre chose, mais bon, voilà, c'était pas dégueulasse, non. Et puis alors, il y a l'autre run, là, où j'ai totalement merdé avec Samael. Ouais, mais pour une fois... C'était pas trop mal vu que tu le découvrais, ça allait franchement. Bah ouais, je le connaissais pas du tout. Enfin, j'avais été au début quand c'est sorti, j'avais regardé une race ou deux de gens qui streamaient, mais ouais, je le connaissais pas plus que ça quoi. Donc, première fois que je joue avec, bon, c'est vrai, je me suis pas mal débrouillé. Et puis, bon, Forgotten, Samael, ça va quoi. The Lost, en plus. Ouais, c'est bien sur les builds pourries. Hein. Et Type Planet en Diversity, incroyable. Quelle bonne soirée. Et la run, elle était pas mal, celle où j'ai failli crever là. Contre The Lamp. Oui, ah, c'était propre. Hein. Ça, par contre, c'était GG. Futur était sur le cul. Ah. T'as apprécié Futur, mais ouais, en tout cas, bah, du coup, la hiérarchie de ce groupe est faite. Hein. Ça fera Futur 1, Crack 2, Tour en 3 et Loopsa en 4. C'est sûr maintenant. C'est sûr et certain. Au moins, je finis pas dernier. Tu finis pas parce dernier. Que, t'as pris des points un peu partout, quand même, mine de rien. Parce que je pense que tout le monde me mettait mais, au fond du panier, quoi. Non, je pense pas. Tu vois, je pense pas. Bah, moi, je te voyais pas vainqueur, mais je te voyais pas. Je t'aurais mis meilleur que l'Obster. Hein. Je te voyais meilleur que l'Obster, ouais. En gros, je. Non, je voyais à peu près ça. Je voyais Kraknos finir deuxième, mais je sentais que tu pouvais l'accrocher, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Donc, et Kraknos qui va avoir l'honneur d'affronter Death au prochain tour. GG à lui. Ouais, bonne chance à lui. Ouais, bonne chance à lui. Et bah, en tout cas, bah, je te remercie, c'était très cool de t'avoir dans le tournoi. J'espère que ça t'aura plu. Bah, merci à toi de m'avoir invité, vraiment sympa. Écoute, premier vrai tournoi, comme je le disais. Voilà, pour un premier vrai tournoi. Pour un premier vrai tournoi, je pense que ça t'a plu. Et, bah, j'espère te voir dans la suite, hein, si jamais il y en a d'autres. Avec grand plaisir. Eh bah, écoute. En tout cas, tout mon plaisir hein, de t'avoir eu. Hein. Bah, on va passer à la suite. Pour un match. Bah, bonne soirée. Ah bah, des bisous alors. Bah, et bon match aux deux suivants. Hein. Ah bah, ça va être un beau match. C'est vraiment. Si vous êtes dans le coin, restez parce que ça va être la folie. Hein. Allez, je passe je vais à la suite. Ça, alors. Ah bah écoute. Je passe à la suite. Alors, c'est qui est à gauche et qui est à droite. Schedule. C'est Cyber qui est à gauche. Cyber One versus Antizumilamaka. Ça.